Le cri de la mouette, lecture du chapitre 22. Si j'avais un prof de français, capable de signer comme ma mère, même avec les fautes qu'elle fait encore et qui me font rire, j'aurais moins peur du bac. Je lis sur les lèvres. Il faut que j'arrive à déduire de ce que je vois sur ses lèvres un mot, puis un deuxième mot, jusqu'à finalement construire une phrase. En tout, j'aurais passé 10 ans au cours Morvan. C'est une école privée, oraliste, mais je suis reconnaissante de l'enseignement que j'y ai reçu. Je passe mon temps dans les dictionnaires et les bouquins pour trouver précisément le sens d'une phrase que j'ai comprise sur les lèvres d'un prof. Je potasse les cours. Je bosse parfois jusque 2 ou 3 heures du matin, comme une dingue. Le bilinguisme m'aide énormément. L'orthographe, ça va. Je me souviens très bien visuellement d'une erreur. Par contre, la construction des phrases, les « bien que », tandis que, c'est compliqué. Nous n'avons pas la même grammaire en langue des signes. Et je veux toujours faire une belle construction de phrases. En français, avoir un beau style. Parce que je le voudrais académique, impeccable. Ma sœur, qui me bat de loin sur ce plan, à qui j'ai appris, et j'en suis fière, à signer parfaitement, vient maintenant corriger mes textes français. Marie dit « C'est quoi ce « parce que » Pourquoi tu l'as mis là ? T'as mis trop de « qui » et de « que » et pas au bon endroit. » Je lis des tas de journaux. Je bouquine jusqu'à n'y voir plus clair. J'ai la tête farcie de tellement de choses que je dois avoir l'air complètement abruti par moments. C'est dans ma nature de me dépasser, d'aller au bout des choses que j'entreprends. Quand je décide d'atteindre un but, je n'abandonne pas. Rien, ou presque rien, ne m'arrête. Mouette têtue, mouette obstinée et fatiguée. 1991, année du bac pour Emmanuel Laborie, premier essai. J'ai 19 ans, je suis effrayée, morte de peur. J'ai tellement envie de réussir, j'ai tellement travaillé, la nuit, le jour, et j'ai tellement le trac. Que le jour de l'examen, je perds tous mes moyens, c'est l'échec. C'est dur un échec, comme ça, si bête en plus. C'est le trac qui m'a abattu. La mouette est découragée, j'ai vraiment envie d'abandonner. Au fond, est-ce que j'ai vraiment besoin du bac? Et si je laissais tomber? Maman et papa disent « Ben non, ne fais pas ça, tiens bon, recommence. Si tu laisses tomber, tu n'auras plus beaucoup de choix pour l'avenir. Vas-y, fonce. » Et ça recommence. Passe ton bac d'abord. Pour ne pas me décourager complètement, pour m'accrocher à ce « passe ton bac d'abord », je supplie mes parents de me laisser suivre en plus des cours par correspondance pour pouvoir récupérer les 50% manquants de la géo, la philo, l'histoire, le français, l'anglais, la bio et le reste. En maths encore, nous avons les signes. J'ai besoin de lire le plus possible, d'écrire le plus possible. J'aime l'histoire, mais pour traiter par écrit un sujet d'histoire, la mémoire ne suffit pas. Il faut rédiger parfaitement. Au cours Morvan, je suis l'une des rares à lire autant. En général, les sourds ne lisent pas beaucoup. Ils ont des difficultés. Ils mélangent les principes de la langue orale et de la langue écrite. Pour eux, le français écrit est une langue d'entendant. Moi, je dis que la lecture est proche de l'image et du visuel. Mais c'est un problème d'éducation. On m'a appris à aimer les romans, l'histoire. Et si quelque chose m'échappe dans une lecture, je fouille dans le dictionnaire. Mes parents aiment lire et écrire. Ils ont déteint sur moi. Inflation, déflation, économie mondiale, philosophie. Le Minitel marche fort entre les copains futurs bacheliers. L'un d'eux a d'ailleurs fait énormément de progrès en français grâce au Minitel. Il était nul et ça l'a obligé à écrire. Maintenant, il se sert de l'écrit. Sa grammaire a encore des trous, mais son vocabulaire s'est enrichi. Cet oral me fait une peur bleue, comme on dit en français. Je peux rajouter verte, noire. 1992, bientôt mes 20 ans, ultime tentative. Fin de la lecture du chapitre 22. On va résumer très rapidement le chapitre 22 parce que c'est un chapitre court. Donc, Emmanuelle Laborie se présente pour passer le bac. Elle a 19 ans et elle a trouvé un peu sa voie, on peut dire. Elle adore étudier.
Enfin, elle adore. En tout cas, elle se donne beaucoup de peine pour réussir parce qu'elle a décidé de se mettre à fond et d'y arriver un petit peu, quoi que ça lui coûte. Et elle lit énormément. Elle finit par être reconnaissante aux cours Morvan. Pourtant, elle était très fâchée contre eux, ces cours oralistes. Mais elle trouve quand même que l'écrit, ça reste compliqué. Et elle essaye de voir ça comme quelque chose de visuel, alors que la plupart de ses amis sourds disent que c'est une langue pour les entendants, la lecture et l'écriture avec des lettres et des mots comme on le fait. Elle se donne quand même beaucoup de peine et elle fait des textes en français. Elle voudrait avoir une très bonne écriture. Elle dit qu'elle voudrait avoir une écriture académique, c'est-à-dire qui respecte très bien les règles de la grammaire, de la syntaxe, etc. Et c'est sa petite sœur qui corrige pour elle ses textes en français quand ils ne sont pas bons. Qui lui dit où est-ce qu'il faut placer un parce-que, pourquoi est-ce qu'elle a mis des qui et des que un petit peu n'importe où. Elle va finir petit à petit à vraiment aimer lire. Mais à 19 ans, quand elle passe le bac, elle est tellement terrorisée, elle a le trac et elle rate tout. Elle est très déçue, surtout qu'elle est déçue d'avoir raté à cause du trac. Elle n'a pas raté que à cause de son niveau, mais aussi parce qu'elle était trop impressionnée. Comme elle est découragée, elle a envie d'arrêter, mais ses parents vont insister pour qu'elle passe son bac, le fameux passe ton bac d'abord. Elle va recommencer, mais cette fois, elle demande à suivre des cours par correspondance, parce que pour elle, c'est quand même mieux de pouvoir avoir 100% du cours, parce qu'elle dit que sur les lèvres de la prof au cours Morvan, elle ne comprend que la moitié de ce qu'on dit. Elle capte quelques mots, elle reconstitue les phrases, c'est vraiment comme si c'était une langue étrangère pour elle. Donc, elle va recommencer cette année-là en suivant des cours par correspondance pour avoir au moins la chance de lire tout le contenu du cours, enfin de chaque cours qu'elle doit présenter le jour du bac. On voit au passage quand même qu'il y a des gens pour qui c'est extrêmement dur d'avoir accès à l'école, d'avoir accès aux informations. Et du coup, comme j'imagine que beaucoup des personnes qui écoutent la lecture de ce texte préparent eux aussi peut-être une interrogation, une évaluation ou un examen d'un autre nom. Faut se rappeler à chaque fois que apprendre, c'est une très grande chance. Et avoir accès aux livres, pouvoir les lire, pardon, alors ça, c'est un vrai trésor. Se dire que tous les livres de géographie, nous, si on veut, on peut les lire, n'importe quel livre de philosophie, on a accès à tous les ouvrages. Il y a des bibliothèques qui sont soit gratuites si on va consulter sur place, soit qui demandent une petite cotisation si on ramène les livres à la maison. C'est quand même une chance absolument extraordinaire d'avoir accès à tous les savoirs du monde. Allez, j'arrête là, fin du résumé.